Le soap opéra politico-électoral américain se poursuit. La semaine dernière, avec la convention démocrate qui a désigné officiellement Hillary Clinton comme candidat officiel du parti à la présidentielle de novembre prochain. Hillary Clinton, 68 ans, a d'abord dû vaincre son adversaire au sein du même parti, le sénateur Bernie Sanders. Ce fut un combat au finish, jusqu'au moment de la convention, que les partisans du sénateur septuagénaire continuaient de chanter à sa gloire et de huer sa rivale. Finalement, Hillary Clinton a dû, pour obtenir l'appui de Bernie Sanders et pour l'amener à renoncer à ses ambitions avant la tenue de la convention, afin pour les démocrates de présenter une image d'unité, un front uni face justement au camp républicain en plein déchirement, il a fallu pour la candidate Clinton signer un accord pour respecter les promesses de son rival à ses partisans, en majorité des jeunes. Lors de son discours acceptant d'endosser la candidature du parti, ou acceptance speech, il s'en fallut de peu que les jeunes fanatiques de Sanders ne se remettent à lancer leur quolibet. Mais en retour, la candidate Hillary Clinton a dû s'engager, par exemple, à la gratuité des cours pour tous les jeunes entrant au collège, première année à l'université aux États-Unis. Mais plus important encore, à revenir sur le système économique en vigueur aux États-Unis pendant ces 30 dernières années et couramment désigné chez nous par le terme de néolibéralisme. Pour les États-Unis, cela se traduit en un mot, délocalisation des emplois. Jusqu'au début des années 1980, les premiers réfugiés haïtiens arrivés à Miami pouvaient trouver un petit job dans une factory, petite unité de confection de ceci ou cela. Mais rapidement, ces établissements disparurent. Oui, l'industrie américaine avait déménagé vers des cieux offrant des salaires plus bas, donc maximum de profit pour les investisseurs. Cependant, jusqu'aux années Clinton, présidence de Bill Clinton, 1993-2001, on faisait valoir plutôt que cela représentait pour le citoyen américain la possibilité de payer à meilleur prix le meilleur confort du monde. Les articles arrivant aux États-Unis de ces pays-là où ils étaient fabriqués étant payés moins cher aux États-Unis parce que leur fabrication revenait à moins cher. Et c'est l'entrée des Walmart sur le marché ou magasins pour la clientèle de masse. En même temps, disait-on, l'ouvrier américain pourrait avoir des emplois d'un niveau plus décent, plus intéressant, plus noble. Mais tout cela n'a pas dépassé le stade des planches à études dans les grands laboratoires de recherche économique. En tout cas, toujours est-il que la tendance aujourd'hui s'est inversée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus de délocalisation, mais plutôt de ramener les emplois aux États-Unis, de rapatriement des emplois. Mais qui plus est, les patrons sont accusés de se remplir les poches, pire encore, de continuer à bénéficier des avantages fiscaux offerts par la délocalisation, en plus de, oui, de délocaliser aussi leurs richesses vers des paradis fiscaux, oui, les fameux Panama Papers, pendant que les salaires de l'ouvrier américain, qui n'a pas bénéficié des fameux emploi à valeur ajoutée qui avait été promis, ces salaires ne cessent de dégringoler en valeur. Et quand le président Obama se félicite du taux de chômage à 4,9%, le plus bas depuis le début de la crise économique en 2008, ce ne sont pas des super emplois. Ainsi donc, le thème électoral par excellence en cette année 2016, c'est le rapatriement des emplois. C'est celui du sénateur démocrate Bernie Sanders, qui se revendique
un socialiste. Or, curieusement, c'est aussi le cri de guerre du challenger républicain Donald Trump. Pourquoi ce dernier draine en majorité des blancs de tous âges et dont on a relevé comme signe distinctif que pour la plupart, ils n'ont pas fait le collège. Parce que eux aussi sont en effet des victimes du deuxième versant de la crise économique, même avec un taux de chômage au plus bas, plus de ces emplois, fini ces emplois qui permettent de réaliser, comme on dit, le rêve américain. Or, pour battre le fougueux, d'autres disent ce fou de Donald Trump, la candidate démocrate doit faire une quasi-unanimité, doit faire le plein. Le vote hispanique, le vote afro-américain, le vote féminin, bref, son propre camp, son propre électorat, mais en plus, les jeunes partisans de Bernie Sanders, aux yeux desquels elle, Hillary Clinton, doit se justifier parce que la considérant comme une représentante du statu quo, de l'establishment, et enfin, également des partisans de Trump, ce qu'on commence à appeler les républicains anti-Trump, mais pas encore pour Hillary, beaucoup de barons du parti républicain, dont les Bush eux-mêmes ayant pris leur distance du candidat officiel de leur parti. Mais là où Trump joue la différence, la frustration du petit blanc conservateur qui voit disparaître l'image d'un pays tel qu'il en avait rêvé et ses parents avant lui, la candidate démocrate, quant à elle, risque de sombrer plutôt sous le poids du trop-plein d'espérance de tous horizons placés en elle, soulevés par elle. Voilà, ce sont là deux parcours qui s'affrontent lors de la présidentielle américaine de novembre prochain. La candidate démocrate doit veiller que sa campagne ne sombre dans une comptabilité morose de la multiplicité des promesses faites, tandis que l'arme principale de Donald Trump va rester la passion, le fanatisme qui anime son camp. Et en fin de campagne, la passion peut être une arme puissante. J'écoute Mélodie FM.